J'avais oublié de remettre le son. « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alamin, amma ba'd. » Je suis vraiment très très content euh, bah, de pouvoir faire ce petit dars avec euh, mes petits frères et mes petites sœurs. On va essayer de vous expliquer un certain nombre de choses. Alors, j'ai la certitude que Abiy et Umi, les grands frères et les grandes sœurs, sont déjà là pour vous expliquer plein de choses de la meilleure des façons, tabaraka Allah. Je vais simplement essayer de rajouter quelques petites choses ou ramener un petit peu ma pierre à l'édifice, comme on dit. Ça veut dire que je vais essayer d'aider à se poser des questions. Alors c'est vraiment dommage parce qu'on est dans le virtuel, c'est par internet. Si on avait été dans le vrai à l'Institut MM+, voilà, les enfants, je vous aurais acheté plein de cadeaux et chaque fois que je vous aurais posé des questions, si vous aviez bien euh, auriez bien répondu, je vous aurais donné un cadeau, mais qadar Allah ma Tout ce que je pourrais faire pour vous là, c'est des à En attendant inchallah que le Covid, Inch'Allah, parte et qu'on puisse faire des événements dans le réel, Inch'Allah ta'ala. D'accord Donc, soyez bien attentifs les enfants. Pourquoi Parce que je vais vous poser des questions. Il y aura à chaque fois un petit quiz à la fin euh, des, euh, des, euh, bah, de chaque point que je vais aborder. Alors, un quiz, cela signifie que je vais vous poser des questions et que vous allez devoir me répondre, Inch'Allah ta'ala. D'accord On va commencer ensemble, Inch'Allah. C'est parti. Donc, le Ramadan expliquer aux enfants. On va se poser un certain nombre de questions et nous allons essayer d'y répondre ensemble. Premièrement, qu'est-ce que le ramadan En fait, c'est quoi ramadan Qu'est-ce que je suis censé faire pendant le ramadan Qu'est-ce qu'on apprend pendant le mois de ramadan Comment Allah va nous aider à faire le mois de ramadan Et enfin, écoutez bien, la grande récompense qu'il y a à faire le siem du Ramadan. Alors je sais que c'est des mots, peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'écouter, d'entendre, mais j'aimerais qu'on fasse une chose, c'est qu'on ne dise pas le jeûne du Ramadan. On va dire un petit peu en arabe, parce que tu sais Allah dans le Coran, dans le Coran, Allah a choisi des mots, et les mots que Allah a choisi, ils sont très importants à respecter. Tu comprends Donc pour cette adoration qu'on est en train de faire, euh, qui est le mois de Ramadan, on va appeler ça le siem. essaie de le dire avec moi. Alors c'est un peu dur parce que c'est pas un signe, c'est un sod. siem Siyam. Siyam. D'accord C'est le Siyam de Ramadan. Donc on va voir quelle est la récompense pour le Siyam de Ramadan inshallah Donc premier des points, et eh ben, c'est quoi le Ramadan On va se poser la question la première des choses qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que Ramadan, mon petit frère, ma petite sœur, pour toi, pour moi, pour nous tous, c'est une fête et c'est une baraka. Ramadan, c'est une fête. Il faut vraiment te dire que c'est un grand moment que Allah nous donne. Allah aime ce moment et comme Allah aime ce moment, alors il veut nous faire des cadeaux. Regarde un petit peu comment c'est. C'est comme toi, par exemple, si tu es heureux à un moment, et que tu vois ton habit et ta moumi, tu as envie de leur faire un bisou, tu as envie de leur faire un câlin. Si tu es content de revoir un copain ou une copine que tu n'as pas vu depuis très longtemps, tu vas avoir envie de jouer avec lui, de jouer avec elle, ou de lui offrir des cadeaux, de lui donner même tes jouets. Tu vois pourquoi Comme tu les aimes beaucoup, eh ben quand tu vas les voir, tu vas leur faire des cadeaux. Et bien comprenez une chose, mes petits frères et mes petites sœurs, c'est que le mois de Ramadan, c'est un cadeau qu'Allah nous donne. Le mois de Ramadan est un cadeau exceptionnel, un cadeau extraordinaire qu'Allah nous donne. C'est une baraka. Qu'est-ce que ça veut dire une baraka Cela signifie que c'est quelque chose qui est béni d'Allah. Béni, je vais te donner un exemple. Un temps ou un endroit qui est Mubarak, qui a la baraka, qui est béni d'Allah, eh bien en peu de temps, on va réussir à, réussir à faire plein de Hassanet. D'accord C'est quoi les Hassanet les hassanet, c'est les bonnes actions qu'Allah nous donne. Chaque fois qu'on fait une bonne action, on va avoir bah, comme une monnaie. Quand Abi et Oumi vont faire les courses, ils doivent utiliser des euros. Si tu es en France, si tu es aux États-Unis ou autre part, ce sera des dollars, ce sera différentes monnaies. Si tu es en Algérie, des dinars ou des dirhams, ou peu importe. Mais en fait, en France, on va utiliser des euros. Tu vois, grâce aux euros. Par exemple, ton papa, il part à la boulangerie, il dit à la boulangère. « Salam alaikum, elle lui répond Walaikum salam, c'est Muslima, Inch'Allah. Il lui donne de l'argent et en échange, elle va lui donner du pain. Tu comprends Eh bien, en fait, Allah va nous donner des hasanets. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Au jour du jugement, quand nous, on pourra essayer d'entrer au paradis, d'accord Quand Allah va nous ressusciter et qu'on va essayer de rentrer au paradis, on va pouvoir s'acheter une place au paradis avec les hasanets. Eh bien, pendant le mois de Ramadan, tu peux faire, écoute-moi bien, Plein, 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 plein de Hassanat. Tu sais pourquoi Parce qu'Allah aime ce mois. D'accord Allah Azzawajal nous dit dans le Coran Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ce qui signifie Le mois de Ramadan est le mois durant lequel Allah nous a donné le Coran. Ah, voilà la première réponse. Pourquoi est-ce qu'Allah aime autant ce mois Eh bien, parce que pendant ce mois, Allah nous a donné le Qur'an. Tu sais que quand tu parles avec Abiyoumi, à quel point c'est important le Qur'an, al-Karim Eh bien, regarde. Ah, excusez-moi. Allah Azza je vais déplacer ma tête comme ça. Ça, ça fait rire les petits souvent quand on fait, quand on déplace notre tête comme ça. Je vais me déplacer comme ça, tu pourras le lire, Inch'Allah. Tu pourras le lire, Inch'Allah. Donc, le mois de Ramadan durant lequel Allah a donné le Qur'an à tous les habitants de la terre. Et ce Qur'an est le chemin à suivre. Tu sais ce que cela signifie Allah nous aime tellement qu'il nous a donné l'islam. Et l'islam, c'est la façon dont nous devons être vis-à-vis d'Allah, pour Allah, et aussi par rapport aux gens. Allah va nous donner, en fait, par rapport à l'islam, écoute-moi bien, les clés du paradis. En fait, l'islam, mon petit frère, ma petite sœur, ce sont les clés du paradis. Et ces clés du paradis, Allah Azzawajal, nous aime tellement que parfois, au lieu de nous en donner qu'une, il nous en donne deux 3, 4, 5, et bien un mois qui a de la baraka, qui est béni, c'est un mois durant lequel Allah Azza wa Jal va nous donner beaucoup de clés possibles pour rentrer au paradis, Inch'Allah. On demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala ta de nous faire rentrer au paradis, Ya Rabb al-Alamin. On va prendre aussi un deuxième verset très rapidement, qui nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, « Inna ah, anzalna mu fi laylatil qadr »« Cette nuit du qadr » Tes parents pourront en parler, inshallah Certes, nous avons donné ce Coran à tous les habitants de la terre pendant la nuit de El Qadr. Et El Qadr, c'est soit la nuit de la grande valeur, soit la nuit de la destinée. Les deux traductions sont valables. Alors, je t'explique un petit peu. Tu vois, pendant le mois de Ramadan, Allah va nous donner plein d'occasions de faire plein de Hassanet. Est-ce que tu te rappelles ce que sont les Hassanet Les Hassanet, ce sont les bonnes actions, comme les euros. Mais pour le jour du jugement, pour rentrer au paradis, inshallah. D'accord Eh bien, pendant Ramadan, il va nous donner plein d'occasions de faire des hasanettes. Et Écoute bien, il y a une nuit qui s'appelle la nuit de Al-Qadr, durant laquelle Allah va multiplier ça par mille, meilleur que mille mois. Alors, je t'explique. Là, logiquement, la question que tu vas te poser, si tu vas te dire mu'allim, bah, c'est quand cette nuit eh bien, écoute-moi bien. La nuit de El Qadr se trouve dans les dix dernières nuits du Ramadan avec des chiffres impairs. C'est quoi des chiffres impairs Écoute bien. Soit la nuit du 21, du 23, du 25, du 27 ou du 29. Certains nous disent que c'est la nuit du 29 à chaque fois. Mais tu sais, ceux qui nous disent que c'est possiblement 21, 23, 25, 27, 29, franchement, c'est une belle parole aussi. Tu sais pourquoi parce que ça nous pousse à faire plein d'adorations. Donc quand ce sera les nuits impaires, insiste bien auprès de ta, de ta ummi et de ton habit pour faire des prières avec eux, Inch'Allah. Parce que Allah Azzawajal aime trop cette nuit. Tu vois Tu vois toutes les trésors qu'il y a dans, la, dans, dans le mois de Ramadan C'est un mois qui est une fête et c'est un mois qui est Mubarak, c'est-à-dire qui est béni. On va se poser la question, bah, pendant ce mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on doit faire Eh bah, bien regarde, la première des choses que tu vas devoir faire, c'est ne pas manger et ne pas boire. Alors ça va dépendre aussi de ton âge. Si tu as 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, moi je te propose quelque chose. Tu sais habillé et mis, et tes grands frères et tes grandes sœurs, eux ils ne vont pas manger pendant toute la journée de environ 5h23 du matin. As vu, vous avez remarqué, les parents Pendant le mois de Ramadan, l'heure du sop, on la connaît à la minute près, tabarakallah. Et l'heure du Maghrib, on le connaît à la minute près. D'accord 5h23 du matin dans le nord de la France. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, tes parents, ça va être de 5h du matin jusqu'à 21h. Mais ça, c'est trop long pour toi, si t'es un petit garçon ou une petite fille. Sauf si tu y arrives, mashallah, tabarakallah. Au moins, au minimum, en plus, c'est les vacances, mashallah. Moi, ce que je te propose. C'est d'essayer de jeûner une partie de la journée. Regarde ce que tu peux faire. Par exemple, tu pourras te lever le matin, tôt, prendre ton petit déjeuner, et ensuite tu ne manges pas le midi jusqu'à 16h. Et à 16h, tu vas rompre ton jeûne. Ça pourrait être bien ça. Ou bien alors pour les plus courageux et les plus courageuses d'entre vous, par exemple, eh bien, le matin tu vas te lever, tu ne vas pas manger, et tu ne mangeras pas et tu ne boiras pas jusqu'à 15h ou jusqu'à 16h. Tu ne feras pas toute la journée comme habillé comme oumi, c'est vrai, mais en tout cas tu pourras ressentir un petit peu ce qu'ils ressentent, Inch'Allah. Moi cette année, j'ai mes petits garçons, il y en a un qui a 5 ans, l'autre il a 7 ans, ils font ça, ils mangent pas le matin et ils ne vont rompre le jeûne qu'à 16h. Et franchement, ils sont très contents comme ça. D'accord Donc première des choses, ne pas manger et ne pas boire. Mais c'est pas tout. C'est pas que ça. C'est aussi ne pas s'énerver. C'est aussi ne pas mentir. C'est aussi être généreux. C'est aussi adorer Allah. Alors être généreux, ça veut dire par exemple de prêter tes jouets à ton frère ou ta soeur. Être généreux, ça va être par exemple si toi tu as eu des cadeaux et que tu as eu un petit peu d'argent, eh bien de donner une partie de cet argent à ceux qui en ont besoin. Adorer Allah, eh bien tout simplement, qu'est-ce que tu dirais de faire tes cinq prières avec habillé et Umie Déjà ce serait super ça, c'est vrai ou pas Essayez un petit peu plus de lire le Coran. En fait comme Allah, il aime beaucoup ce mois. Eh bien alors pendant ce mois-là, écoute-moi bien. Tout ce que tu vas faire, tu auras plein de hasanat, inshallah ta'ala. D'accord Maintenant, c'est le moment des questions. Donc il faut que tu sois bien attentif et bien attentive aux questions que je vais te poser. Premièrement, que doit-on faire pendant le mois de Ramadan Pendant le mois de Ramadan, que doit-on faire Excuse-moi. J'ai accéléré l'animation. En principe, ça va se faire tout seul. Donc pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce que l'on doit faire est-ce que, premièrement, et ça va bientôt arriver, voilà, est-ce qu'il faut mentir et se bagarrer pendant Ramadan Ou alors est-ce qu'il est qu faut manger et boire en cachette Ou bien alors est-ce qu'il faut dire la vérité et donner aux autres En vérité, tu sais, c'est même en dehors du Ramadan hein, qu'on doit être comme ça. Est-ce que pendant le Ramadan, tu dois mentir et tu dois te bagarrer avec tout le monde Dès que tu peux te bagarrer, tu te bagarres est-ce que pendant le mois de Ramadan, tu dois manger et tu dois boire en cachette sans que personne ne te voie Mais entre nous, tu sais, même si les gens ne te voient pas, Allah, lui, te voit Ou bien alors, est-ce que tu dois dire la vérité et donner aux autres A ton avis Oui. C'est la troisième réponse. Tu dois dire la vérité et donner aux autres. Et tu sais quoi Je vais te donner un petit, un petit secret. Si pendant tout le mois de Ramadan, tu prends l'habitude de faire les choses comme ça, bien, toujours dis la vérité toujours donner aux autres, toujours être gentil avec tout le monde. Tu sais ce qui va se passer Eh bien, dans ton cœur, même quand le ramadan y sera fini, tu resteras comme ça, inshallah, ta'ala. D'accord On passe à la suite avec la deuxième question que nous avions posée au début, qui était, qu'est-ce qu'on y apprend On y apprend quoi dans ce ramadan Qu'est-ce qu'on apprend dans le ramadan On va voir un petit peu ensemble. Première des choses, qu'est-ce que tu y apprends tu apprends que le mois de Ramadan, c'est une école. Et ça rejoint exactement ce que j'étais en train de te dire juste avant. En fait, mon petit frère, ma petite sœur, il ne faut pas croire que tu dois simplement être bien, bon, gentil, meilleur que pendant le mois de Ramadan. Et dès que al-Fitr, l'Aïd, est venu, alors tu repars à faire les bêtises et les choses comme avant. Non. Le mois de Ramadan, c'est une école. Qu'est-ce qu'on fait dans une école Eh bien, dans une école, on apprend. Tu le sais, ça Dans une école, on apprend. Eh bien, plus tu vas apprendre des choses et plus tu vas les garder en toi. Tu sais ce qui va se passer Tu vas ressortir du mois de Ramadan. Premièrement, tu auras plein de hassanat. Deuxièmement, tu vas pouvoir changer et devenir meilleur. Parce que si tu as pris l'habitude de dire toujours la vérité, le mensonge ne reviendra pas. Si tu as pris l'habitude d'être gentil, avec ton petit frère ou ta petite soeur, à ne pas embêter ton grand frère ou ta grande soeur, à obéir à tes parents, à être gentil avec tes parents, à savoir s'amuser parfois dans le calme. Je sais que les garçons, ils aiment bien la bagarre. Moi, mes... mes filles, elles n'ont jamais joué à la bagarre, mes, filles, fo... mes fils ne font que jouer à la bagarre, C'est pas grave. On peut jouer à la bagarre, mais alors une bagarre dans laquelle on fait pas mal aux autres, tu comprends tu, fais une bagarre, tu joues à la bagarre avec ton habit, mais d'une façon qui soit bonne, sans faire du mal aux gens. C'est très très important. Et bien en fait, si tu gardes ces habitudes là pendant tout le mois de Ramadan, tu verras que même après le Ramadan, tu resteras le même ou tu resteras la même, inshallah ta'ala. Et ça c'est très important. Autre élément, on y apprend pendant le mois de Ramadan, ouais, que tu es le meilleur, effectivement, mais que la chose la plus importante que tu vas avoir, c'est quoi C'est ta foi ta foi est la chose la plus importante toi en tant que musulman toi en tant que musulmane muslim c'est la chose la plus précieuse c'est le plus grand trésor qu'allah t'a donné tu dois être fier de ça tu dois être fier d'être un musulman tu dois être fier d'être celui qui fait la salah, qui se prosterne pour allah tu dois être fier d'apprendre le coran le karim de réciter le Coran el karim de voir ta maman si ta maman, elle porte le voile. Tu dois être fier de cette maman qui porte le voile. Quand ton papa fait la prière et ta maman fait la prière, tu dois être fier d'eux, Inshallah. D'accord Quand tu vas à la mosquée ou que tu prends des cours de Qur'an, tu sais comment tu dois marcher Alors, il faut pas marcher non plus trop trop euh, trop le torse bombé, hein, mais il faut être fier de ce que tu es. Parce que, wallahi, tu sais quoi la meilleure des choses qu'Allah a mis dans cette dunya, dans la vie d'ici-bas, dans ce que tu vois autour de toi, tu sais c'est quoi C'est l'islam. Et tu sais cette chose-là, la meilleure des choses à qui Allah l'a donnée Il te l'a donnée à toi. Tu es un musulman, tu es une musulmane. C'est la chose la plus importante. Et Ramadan, il vient nous enseigner cela, il vient nous rappeler. Ta foi est la chose la plus importante que tu peux avoir. D'accord et quand on parle de foi, eh bien on va parler de degrés aussi dans la foi. Alors attends, je vais me... Je gêne l'image. Je vais me mettre en tout petit, tout petit rikiki comme ça. Attends, je vais me mettre ici pour ne pas gêner. Voilà, bismillah. Et regarde, il y a un podium. Dans ta foi musulmane, tu as plusieurs degrés. Alors, comment je vais t'expliquer des degrés habibi C'est comme des étages. Imagine-toi, par exemple, que tu vas à la piscine. Et tu veux sauter dans l'eau depuis la piscine. Et que tu as le choix entre trois choses. Soit tu vas juste au bord de l'eau et tu sautes dans la piscine, soit tu montes sur un petit podium. Ça veut dire que ça va être plus élevé. Et quand tu vas sauter, tu seras plus haut. C'est plus dur, c'est vrai ou pas Mais par contre, c'est plus rigolo. Plus tu es haut quand tu vas sauter dans l'eau, tu as vu quand ton habit ou ta te prend et te jette dans l'eau comme ça quand tu es à la mer ou quand tu es à la piscine, tu es content. Bon, piscine, halal, en mode pas de mixité <laughs> au pays, mais bon, à la, mer, à la mer, à la mer, pas à la plage, mais à la mer, inshallah, préserver, Eh bien, quand tu es là-bas et que ton habit, par exemple, il te jette en l'air pour que tu ailles dans l'eau, ça te fait beaucoup rire, c'est vrai ou pas Plus théo haut et plus c'est rigolo. Mais plus théo, plus tu as un petit peu peur, c'est vrai ou pas Eh bien, ça veut dire que c'est un petit peu difficile. Eh bien, écoute, dans la foi, c'est la même chose. Tu as trois degrés de la foi. Le degré le plus simple, c'est le degré de l'islam. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'aimerais bien, wallah, si tu peux mémoriser ça, ce serait top, ce serait super. Le premier degré de la foi, c'est l'islam. Tu sais, c'est qui les gens qui font l'islam C'est les gens qui font faire, ils vont dire la ilaha illallah, ils vont faire la prière, ils vont payer la zakat, ça c'est pour les grands, toi ça ne te concerne pas pour l'instant. Ils vont faire le ramadan, ah, ça ça peut te concerner un petit peu, et ils vont faire le grand pèlerinage. Et ils vont croire en Allah, comme Allah nous l'a ordonné. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a six piliers dans notre foi. C'est très important de demander à ton habit et taoumi de, de, de te le dire, inshallah ta'ala. Euh, Qu'est-ce que je disais Je disais, voilà, le premier degré, c'est juste ça. Mais c'est déjà hamdoulillah, c'est très bien. Il y a un deuxi deuxième degré qui est plus haut, c'est celui-là, regarde. Le degré de l'iman le numéro 2, je vais mettre ma tête dessus, regarde, pique, celui-là le degré numéro 2 de l'hymen. Eh bien celui-là, le degré numéro 2 de l'hymen, c'est tu fais ta prière, ils vont payer leurs zakat, tu vas, tu vas faire le ramadan, tu vas faire le hajj tu vas faire les piliers que je t'ai dit, et tu sais quoi Dans ton cœur, quand tu vas faire la prière, tu vas te sentir bien. Parce qu'en fait, tu vas devenir... Regarde, tu aimes beaucoup au mien, tu aimes beaucoup tes frères et soeurs. Eh bien en fait, dans le degré de l'hymen, ton amour pour Allah, il est plus fort que tout. Tu vois, t'as pas juste fait ta prière, Tu n'as pas juste fait Ramadan, mais en fait ton amour il est devenu très 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 fort. C'est comme une, une lumière qui a dans ta poitrine qui ne fait que de grossir de grossir de grossir de grossir. Plus elle grossit, plus tu vas aller en degré. Au début étais à El Islam, ensuite tu vas arriver à El Iman et le meilleur c'est El -ihsan. le dernier. Je vais mettre ma tête en dessous de El Ihsan. Celui-là, elle celui-là El Ihsan, d'accord On avait j'ai kiffé en fait. On avait vu El Islam ici, on a vu El Iman ici, et maintenant on voit El Ihsan ici. El Ihsan, c'est que tu adores Allah, écoute bien, et que tu sais toujours qu'Allah est en train de te voir. Tu n'oublies jamais qu'Allah te voit. Je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une petite histoire. Je vais me mettre un petit peu plus en grand pour te raconter cette histoire-là. Il y avait un monsieur dans une école. Et c'est une histoire qu'on m'avait racontée sur un, un monsieur en Égypte. Il y avait un mouallim, un professeur, un enseignant, qui aimait beaucoup ses élèves. Jusqu'ici, c'est normal, alhamdoulilah. Mais il avait un élève, c'était son chouchou. Il l'aimait trop. Et les autres enfants voyaient qu'il aimait plus cet élève que les autres. Est-ce que c'est bien ça que le, que le mouallim ou la ils montrent qu'il aime plus un élève Non, c'est pas bien. Mais tu vas comprendre pourquoi il l'aimait autant. Et il y a une réunion de, de fin d'année. Tu sais quand à la fin de l'année, il y a Oumi qui viennent voir tes professeurs. Et là tous les parents se sont mis ensemble et ils ont dit au ils ont dit au professeur, on sait que tu as un chouchou et ce chouchou c'est Mohamed, c'est Abdullah, on va l'appeler Abdullah. Ce chouchou c'est Abdullah. Et les parents ils s'attendaient à ce que le que le professeur dise non 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 non, j'ai pas de chouchou, les élèves je les aiment tous pareil, c'est pareil. Vous savez ce qu'il a dit il a dit, oui wallah c'est vrai, j'arrive pas à m'en empêcher. Mais Abdullah je l'aime trop. C'est un enfant qui est trop extraordinaire. Et dans sa foi, il est très très haut. Pourtant, c'était un petit garçon. Ça aurait pu être une petite fille aussi. Il a dit aux parents, regardez, je vais vous montrer pourquoi est-ce que Abdullah je l'aime autant. Il a appelé tous les enfants et il leur a tous donné un bonbon. Et il a dit aux enfants, allez vous cacher dans un coin dans lequel personne ne vous voit et mangez le bonbon. Donc les enfants, ils ont pris les bonbons, un premier il a couru, l'autre il a sauté, l'autre il a poussé le premier, l'autre il a fait un croche patte il a fait une galipette, ils sont partis se cacher où ils pouvaient, un il s'est caché sous l'escalier, l'autre il s'est caché je sais pas où, l'autre il s'est caché derrière les rideaux. Tout le monde a mangé son bonbon et ils sont revenus. Premier enfant qui revient, le papa et la maman dont l'enfant est revenu, ils étaient fiers, ils se sont dit, ah mon enfant, c'est lui qui a mangé le plus rapidement son bonbon. Deuxième enfant, troisième enfant, quatre, tous les enfants reviennent. Il en manque un seul. A ton avis, il manque qui Il manque Abdullah. Et Abdullah, on ne le trouve pas. Jusqu'au moment où on entend un enfant pleurer. Et c'est Abdullah qui est en train de pleurer. Et il revient vers le professeur et vers les parents, il est en train de pleurer. Et il a son bonbon dans la main et il est en train de pleurer. Et les parents disent, bah, qu'est-ce qui se passe Et le Mohamed, il sourit. Le professeur il sourit parce qu'il connaît ce petit Abdullah. Il sait qu'il va dire une chose, Mashallah, trop belle. Et Abdullah pleure. Et le professeur, devant tout le monde, il dit bah, Abdullah, pourquoi est-ce que tu pleures Pourquoi est-ce que tu n'as pas mangé ton bonbon Écoute bien ce qu'il va lui dire. Et ce qu'il va lui dire, ça correspond au degré de celui-là. Au degré de El Ihsan, celui-là. Il a dit Vous nous avez dit d'aller dans un endroit pour manger le bonbon, là où personne ne nous verrait. Et chaque fois que je me cachais pour manger le bonbon, je me rappelais qu'Allah nous voit. Ça, c'est un petit garçon qui est arrivé à ce degré-là, le degré de l'ihsan, que à chaque instant on se rappelle qu'Allah nous voit et qu'Allah nous entend. Tu sais ce que ça fait ça si Allah, si on est conscient qu'Allah nous voit et nous entend à chaque fois Eh bien, mon petit garçon, ma petite fille, on pourra plus faire de bêtises, insha Taala. Donc, tu seras où Islam, iman ou ihsan, insha Taala. On va passer maintenant aux questions. Quels sont les trois degrés de la foi Je te laisse réfléchir. Les trois degrés de la foi, comment je les ai appelés Est-ce que c'était Al-Furqan, le Yaqin, et le Hassan Ou alors est-ce que c'était El-Islam, Al-Iman, el et el Ou alors est-ce que c'était le top, le Hassan et le moyen? Alors. Est-ce que tu te souviens duquel c'était Je répète les possibilités. Ah zut, euh, je suis parti trop loin. Je répète les possibilités. Attends, j'ai besoin de... Voilà, je vais m'agrandir. Est-ce que c'était el-furqan, le Yakin et le hassan Ou bien el-islam, el-iman, el-ihsan Ou bien alors le top, le hassan et le moyen À ton avis, c'était le, le furqan, le top <laughs> Non c'est l'islam, l'iman et l'ihsan. Barakallahu Fik. C'est très très bien. Barakallahu Fik. On passe maintenant à un certain nombre de conseils que je vais te donner vis-à-vis -vis du mois de Ramadan. D'accord Pourquoi Parce que la question avait été posée. Mais pourquoi est-ce qu'on fait Ramadan Eh bien, en fait, le Ramadan, tout comme la prière, tout comme le Hajj, tout comme la ramra le Hajj et la hamra, c'est quand on part à La Mecque. Tu sais, avec la grande boîte noire qui est, qui est la première mosquée qui a été faite par Ibrahim alayhi selem qui a été construite à l'origine par Adam alayhi selem et qui a été posée comme lieu d'adoration en tant que tel par Ibrahim et Ismaïl selem Eh bien, chaque fois qu'on fait la prière, chaque fois qu'on fait Salah, chaque fois qu'on fait Siem le Ramadan, chaque fois qu'on fait une chose pour Allah, et bien, c'est le fait de lui dire merci, parce qu'Allah il nous donne plein de choses. Et donc la moindre des choses, c'est de dire merci. T'as vu Quand Abhi et Oumi te donnent quelque chose, tu dois leur dire merci en, en retour. C'est vrai ou pas Eh bien là, la salah, et ça, je ne le dis pas qu'aux enfants, je le dis aussi aux adultes. Salah et brr, et toute action de bien, c'est pour dire merci à notre Seigneur. D'accord Deuxième des choses, eh bien, plus tu vas aimer quelque chose, et plus tu vas retourner vers cette chose-là. Et toi et moi, eh bien, on aime toujours manger et boire, c'est normal. On aime bien manger un bon jus bien frais. On aime bien manger une glace, Mashallah, Tabarakallah. Des bonbons, ou alors un bon couscous, Tabarakallah. Mashallah. On aime bien manger parce que c'est trop bon, c'est trop bien, Mashallah. Surtout si la maman elle cuisine bien, Mashallah. Qu'Allah donne le paradis à toutes nos sœurs qui font à manger pendant Ramadan. Wallahi. Nous beaucoup, On vous aime pour Allah Jal, pour tout ce que vous faites, pour tous les foyers. Qu'Allah vous préserve. Je referme la parenthèse. Donc, en fait, une chose que tu aimes beaucoup, en fait, Allah Azzawajal te dit prouve-moi que tu m'aimes. Prouve-moi que tu m'aimes. Et comment est-ce qu'on va faire pour prouver à Allah qu'on l'aime Eh bien, on va délaisser une chose qu'on aime beaucoup. Pour dire à Allah Eh ben tu sais, Allah, je t'aime encore plus que manger. Je t'aime encore plus que boire. Je t'aime encore plus que dire des mensonges. Je t'aime encore plus que euh, mal parler aux gens. Je t'aime encore plus que me bagarrer. Je t'aime encore plus que. Eh bien en fait, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire et tu vas arrêter de faire des choses pour dire à Allah, je t'aime encore plus que telle chose. D'accord Quatrième des choses. On va apprendre à agir comme Mohammed. Et c'est très important de demander à ton habit et taoumi de t'expliquer un petit peu des choses de la vie du prophète Mohammed. Déjà, là, pendant le mois de Ramadan, trois fois par semaine, je mets des histoires sur Internet, d'accord J'ai commencé avec l'histoire de abou Bakr Siddiq, Abu Bakr ibn Siddiq, radiallahu anhu, en deux épisodes, en deux audios. Et là, je vais finir d'enregistrer tout à l'heure l'histoire de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, et ce sera sûrement en deux audios. Eh bien, tu pourras déjà connaître un petit peu comment agissaient ceux qui étaient les plus proches du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord Et aussi, demander à ton habit et à de t'expliquer qui était Mohammed. Alayhi wasallam. Parce que plus tu vas être bien, plus tu vas être droit, et plus tu vas être comme lui, Inshallah. Et enfin, obéir à tes parents et tes grands frères et tes sœurs. Ça, c'est très important d'avoir cela à l'esprit. Parce que plus tu vas le faire, plus Allah va être content de toi. Plus Allah va être content de toi, et plus Allah va mettre la baraka. Je vais te donner un secret. Regarde. Tu sais, quand on est petit, attends, je vais m'agrandir un petit peu. Quand on est petit, eh ben on aimerait bien parfois aider Abi et Oumi à, à, par exemple, à, à payer le loyer, à faire les courses. On aimerait bien pouvoir les aider, par exemple. C'est vrai ou pas On aimerait bien aider Abi et Oumi à, à payer leur voiture, à payer l'essence. Mais quand on est petit, on ben on travaille pas, donc on n'a pas cet argent-là. C'est vrai ou pas Eh bien, écoute bien ce que je vais te dire. Tu peux donner à tes parents mieux que ça. Si toi tu es pieux, si toi tu es pieuse. Et ça, ça, se, je le dis aux enfants, mais je le dis aussi aux adultes. Hein. Je le dis aussi aux adolescents, et je le dis aux adultes et aux plus grands. Chaque fois qu'on va être droit avec Allah, chaque fois qu'Allah va nous aimer plus, il va nous donner plus de baraka. Et plus il y aura de baraka dans notre maison grâce à nous, plus ta, ton, ton habit et ta ommi n'auront pas de problème, inshallah, dans leur santé. Ne tomberont pas malades. Ne seront pas, n'auront pas des problèmes d'argent. N'auront pas, n'auront pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que chacun d'entre nous, et là je m'adresse aussi aux adultes, hein, chacun d'entre nous ne croyez pas que votre droiture n'est que pour vous en fait. Ce n'est pas que pour toi pour accéder au paradis. Wallah, mon frère qui a des enfants, ta droiture avec Allah, ça va amener qu'Allah va préserver tes enfants. Je vais vous raconter une histoire. J'étais à l'époque où j'étais à Médine, et c'est une histoire qui s'était passée avec Shir Tariq, un de mes meilleurs amis, Hafidahullah, qui est encore à Médine. Nous pour Allah Faites des doigts pour lui. Il passe son, son doctorat à Médine là. Faites des dômes, demandez à Allah Jal que tout soit facile. Ya facilite lui et qu'il ait la meilleure des notes et que tout ce qu'il a écrit, il l'ait dans son cœur. Ya Rabba al-alamin. Donc nous sortions de la maison pour aller à la mosquée du Prophète sallallahu wa pour aller assister au dars de Mukhtar Mortala Shinqati. حفظ en fait, il était avec sa femme et ses deux enfants. Donc, il avait Imran, le petit, et Tamia la plus grande. Et donc, en fait, il avance, et il avance avec sa femme et ses deux enfants, et il rencontre un frère. Donc, lui s'arrête pour parler avec le frère, et son épouse, elle continue à avancer pour aller vers la voiture. Et Tarek, pour lui, elle a pris les deux enfants avec lui. Mais en fait, elle n'avait pas pris les deux enfants. Elle pensait que Tarek avait gardé Imran, le petit. à Allah. Écoutez bien ce que je vous dis. Donc, Tarek est en train de parler, et Imran part en courant. Sa maman ne le voit pas, Tarek ne le voit pas. Et il va pour traverser la route. À ce moment-là, il y a un gros 4x4. Vous savez, vous connaissez peut-être pas, c'est les 4x4 américains, les 4x4 Ford. On dirait des, quasiment un camion, le truc. Avec un pare-choc, je m'en souviendrai toujours, pare-choc en fer. Ce n'est pas pare-choc en plastique, pare-choc en fer. Il arrive, au moment où. Écoute bien, et tu vois l'importance toujours d'écouter ta Oumi, de ne pas courir n'importe où. Il traverse. Et le 4-4, et le, et le vous inquiétez pas les parents, ça finit bien. Je ne raconte pas une histoire de fou. Et le 4-4, il est venu, il a freiné et il, est, il a tapé le petit. La façon dont, dont le 4-4 l'a tapé, le petit, il aurait dû avoir des grosses séquelles, des gros problèmes. Tu sais ce qui s'est passé Il a été tapé, il a roulé un petit peu, il s'est relevé, il avait juste une bosse. InshaAllah, c'est des anges qui se sont mis entre ce camion, enfin ce 4-4 x et cet enfant-là. Parce que je vous assure que même un adulte qui se fait percuter comme il sait faire percuter, euh, il s'en sort pas bien du tout. Le petit sobhanallah, il a eu juste une petite bosse. Allahu Akbar. Ça, Insha c'est toutes les raka'a, toutes les deuxa, toutes les invocations. Et ça, je m'adresse spécifiquement au papa. Vous savez, souvent on a l'impression qu'on va protéger notre famille en travaillant beaucoup, en faisant beaucoup d'argent. Eh, Akhil Karim, La première des choses qui va préserver tes enfants. Qui va préserver ta femme, préserver ton foyer. Et ma soeur, la première chose qui va préserver tes enfants, ton mari et ton foyer, c'est ta relation avec Allah. D'accord J'arrête de parler au grand, je reparle au petit. D'accord Donc vous avez compris l'histoire Plus vous allez être droit à Allah et plus Allah va vous protéger, ta'ala. Qu'Allah nous préserve tous, Ya On arrive presque à la fin du dars là. Regarde maintenant ce qu'il va falloir que tu fasses. Tu vas devoir esquiver des choses, comme un parcours en fait. C'est comme dans un parcours. Il y a plein d'obstacles. Il y a plein, plein, plein d'obstacles. Il y a mentir, il y a embêter, il y a désobéir, il y a ne pas partager, il y a voler. Pendant le mois de Ramadan et aussi après le mois de Ramadan, qu'est-ce que tu vas devoir faire, regarde Tu vas devoir zigzaguer et ne jamais les toucher. Il faut essayer de te préserver. D'accord Il faut essayer d'être protégé de cela. Comme ça, regarde, tu avances, tranquille, 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 et tranquille. Et tu arrives au bout de ton ramadan, masha'allah tabarakallah, sans aucun problème. D'accord C'est très important de garder ça à l'esprit. Hein. Il ne faut pas gâcher ton ramadan par des bêtises. On dit ça aussi aux adultes. Qu'est-ce que maintenant, toi, tu vas pouvoir faire pendant ce ramadan Parce que depuis tout à l'heure, tu as, as vu, tu dois dire, mais Amou, il parle, il parle, il parle, il parle. Bon, il m'a dit des choses, mais qu'est-ce que je vais faire Première des choses, tu vas prier à Allah. Tu ne sais pas encore faire Salah Demande à Abiy de t'enseigner la Salah. Si Abiy Ummi, Allah qu'Allah les guide, ils ne t'ont pas encore appris la Fatiha, profite de ce Ramadan pour apprendre la Fatiha, par exemple. Profite de ce Ramadan pour prier avec Abiy Ummi. C'est très important. Deuxième exemple de choses que tu pourras faire demander plein de choses à Allah. Alors, tu sais, Allah جل, nous aime tellement que Il veut qu'on lui demande des choses. Ça veut dire que, tu as vu des fois quand des gens nous demandent quelque chose, des fois ça nous embête un petit peu. Toujours en train de nous demander, nous demander, nous demander. Eh bien écoute, Allah, il nous aime tellement qu'il veut qu'on lui demande. D'accord Et troisième des choses, ou ta'ala, dire qu'Allah est parfait. Comment tu vas faire pour dire qu'Allah est parfait Alors demander à Allah, c'est les deux. Prier à Allah, c'est la salah. Allahu akbar. Demander à Allah, c'est faire des doigts Quand tu vas demander à Allah Azza wa Jal de, de faire de toi un petit garçon pieux, ou une petite fille pieuse, de préserver, de sauver tes parents, inshallah. Et tu pourras faire aussi ce qu'on appelle du dhikr, dire qu'il est parfait. Regarde, des fois tu as une chanson en tête, une chanson sans instrument accordé avant. Je compte sur vous les parents, pour ne pas mettre dans, nos dans les oreilles de nos enfants des choses qui sont néfastes pour eux. D'accord On ferme la parenthèse. Tu vas dire qu'il est parfait. Des fois, tu as, as vu, tu une chanson en tête. Un hachid, par exemple, que tu as entendu. Une belle chanson que tu as entendue euh, où il parle d'Allah. Et tu le répètes, c'est vrai ou pas Tu le répètes sans faire exprès. Ou une comptine que tu as en tête. Eh bien, tu peux faire ça aussi avec quoi Avec d'autres mots. On va les dire ensemble. D'accord Tu veux bien On va dire ces mots ensemble. Répète après moi. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Je le redis, celui-là, il est un peu long. La ilaha illallah. Allahu akbar. Tu vois ces choses-là Si tu les dis, Allah azza aime beaucoup, beaucoup, beaucoup que tu dises ça. Voilà ce que tu peux faire pendant la Ramadan. Et la dernière des choses, eh c'est lire le Coran. Alors, mais si tu ne sais pas lire, eh demandez par exemple à ton habit ou ta oumi de lire avec toi le Coran. Et si ton habit ou ta oumi ne savent pas lire le Coran eh bien, il faut que tu leur poses la question. Happy, on mi, mais pourquoi tu sais pas lire l'arabe C'est bizarre, ça, quand on est musulman, de ne pas savoir lire l'arabe. Et tu pourras leur dire aussi, parce que le mot de la vidéo la dernière fois, il s'appelle Eric. Et Eric, c'est pas un arabe, mais il a appris à lire l'arabe. Bah si lui, un italien d'origine, il a appris à lire l'arabe, pourquoi est-ce que toi, qui es marocaine d'origine, ou algérien d'origine, ou tunisien d'origine, ou peut-être même sénégalais ou malien, tu n'as pas appris à lire l'arabe je compte sur toi, tu leur dis ça afin qu'ils se mettent à apprendre s'ils ne le savent pas déjà. Et s'ils le savent, vous allez pouvoir faire plein de choses ensemble. D'accord Donc, priez Allah dans la prière. Demandez à Allah dans les doigts. Dire qu'il est parfait en disant Subhanallah, walhamdulillah, walla ilaha illallah, wallahu akbar. Et lire le Coran, ou réciter le coran inshallah. Et la dernière des choses pour la prière, pour être plus précis, bah c'est prier la nuit. Tu dois voir habiller et Oumi qui prie la nuit, qui font ce qu'on appelle Salat et Tarawih. Et si Abiye et Oumi ne font pas Salat et Tarawih, eh bien il faut leur dire pourquoi vous ne faites pas Salat et Tarawih. D'accord? C'est très important de le faire. Et si Abiye et Oumi ne connaissent pas beaucoup de Qur'an, ce n'est pas grave. Ils peuvent même faire Salat et Tarawih en répétant les mêmes sourates s'ils ne connaissent qu'une ou deux Ce C'est pas un problème. Ils vont faire un tarawih qui sera court, mais ils le feront quand même, la prière de la nuit. D'accord? On va finir avec ce petit, euh, ces petits, euh, ces petits, ce petit quiz inshallah ou Donne-moi des exemples, des pièges du shaitan. Tout à l'heure avec les plots, tu te rappelles On a dit il fallait passer à travers. Tu vas me donner des exemples des pièges du shaitan. Ça te va Premièrement, mentir. Ah zut zut zut. Ah zut, j'ai tout dit. Alors vas-y réfléchis. Qu'est-ce qu'il y avait dedans Essaie de te rappeler. Il y avait le fait de... Alors, les pièges du diable, c'est de dire la vérité Non, c'est l'inverse. Peut-être c'est de mentir. Les pièges du diable, c'est de faire la salah Non, c'est l'inverse. C'est de délaisser la prière, tu te rappelles Alors essaie de te rappeler avec Abiyomi quels étaient les pièges du diable. Je te laisse 5 secondes. 5, 4. 5, 5. Allez, on va les voir ensemble, Inchallah. Les premiers pièges, c'était mentir et embêter. Les deuxièmes pièges c'était ne pas partager. Nous avions aussi voler et désobéir. Qu'Allah nous préserve. Fais très attention à ces pièges. Ce sont de très mauvais pièges pendant le mois de Ramadan mais aussi en dehors du mois de Ramadan inshallah. D'accord Et enfin, comment Allah va nous aider Comment est-ce qu'Allah va nous aider pendant le mois de Ramadan et on va finir là-dessus, inshallah ta'ala. Écoute bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, et je vais vous le lire hein, simplement et je vais le, le simplifier. Le mois de Ramadan vous est venu. Donc le mois de Ramadan est venu maintenant. C'est un mois qui est béni. Tu te rappelles On a expliqué béni, la baraka, on a expliqué ce que c'était. Qu'Allah vous a imposé de faire le siyam. Alors le mois est béni et on doit faire le siyam. Durant ce mois, les portes du ciel sont ouvertes Allahu akbar dis Allahu akbar les portes du ciel sont ouvertes ça veut dire que toutes les dou'as que tu fais elles peuvent monter à Allah plus facilement les portes de l'enfer sont fermées oh, Allahu akbar et les diables sont enchaînés pas tous les diables mais en tout cas les principaux tu sais ce que ça veut dire eh bien en fait pendant le mois de Ramadan quand tu vas demander des choses à Allah subhanahu wa ta'ala ce sera plus facile de les voir être accepté par Allah et se réaliser. Première des choses. Deuxième des choses, Allah Azza wa a enchaîné. Alors enchaîné, ça veut dire qu'il a, qu y a une, pas lui, mais il y a une chaîne qui a été prise et les diables ont été enchaînés. C'est pas Allah Azza wa en tant que tel. C'est, euh, ils ont été enchaînés, d'accord, oui. Euh, pour pas faire du teshbih bien évidemment. Donc les, 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 ils ont été enchaînés. Ça veut dire que les diables, là où d'habitude ils peuvent venir et te dire, allez, vas-y, bagarre-toi avec lui. Allez, dis-lui une parole méchante. Allez, embête-le. Allez, sois pas gentil avec lui. Et eh bien là ils ne peuvent pas. Oh, c'est une super aide ça. Ça veut dire qu'en fait, là où d'habitude on pourrait être faible et eh ben là on va rester fort, insha'Allah taala. D'accord Quelle récompense on a par rapport au mois de Ramadan Très simple, regarde bien. Celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Et celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Je vais t'expliquer de façon très très simple. Regarde. Si toi maintenant, tu vas faire le Ramadan avec tes parents, inshallah. Alors, ça, c'est pour le Mukallafin, c'est pour les parents à l'origine. Hein. Mais ouais, on peut l'élargir aux enfants pour les encourager, on va dire. Eh bien, en fait, le Prophète alayhi wa sallam, nous dit que toutes nos erreurs et tous nos péchés peuvent être pardonnés. Écoute bien. Les péchés mineurs, bien sûr, peuvent être pardonnés si on fait le sriem comme il se doit. C'est une grande récompense de la part d'Allah. Ça veut dire plein, 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 plein de hassanet. D'accord Voilà. Moi, je t'ai dit ce que je pouvais te dire. J'ai essayé, bah, essayé de te donner des tuyaux, comme on dit. J'ai essayé de te donner des choses à faire. J'ai essayé de t'expliquer certaines choses, habibi, habibati. D'accord Qu'Allah te facilite. Wallahi, je vous aime pour Allah Azzawajal. Excusez-moi, alors peut-être que là, il y en a parmi vous qui ont mis des commentaires pour poser des questions. Euh, là, je n'ai pas accès. Alors attendez, je n'ai pas accès directement avec ce logiciel. Je vais aller sur Facebook rapidement. Regardez s'il y a des questions, Inch'Allah. Vraiment rapidement. D'accord euh, Voilà. Alors, je, je suis en train de diffuser sur plusieurs choses en même temps. Donc, je vais regarder que le Facebook de, de Eric Yunus. Le type il parle de lui à troisième personne. Est parce que j'ai lui nous ça. Ok alors voilà on voit. Qu'est-ce que nous avons? Est-ce qu'on a des questions? 95 commentaires. Ah oui d'accord. Je suis Souleiman. C'est quoi la baraka? La baraka c'est quand Allah Azawajel va mettre plein de belles choses et que ce sera très facile de pouvoir être aimé d'Allah. D'accord? à et ah, c'est nos parents. Oui. D'accord. Alors, mentir, désobéir. Ah, vous avez bien répondu, mashallah. Je suis désolé, je ne pouvais, pouvais pas tout faire en même temps. Je ne peux pas vous parler, lire. Ça, c'est les oumis, ça, ça. Vous savez, les enfants, que les habits, ne peuvent pas faire deux choses en même temps. Nous, c'est... Les oumis, elles, elles peuvent faire 50 choses en même temps. Alors, attendez. Je vais essayer de regarder tous les commentaires. Alors, voilà. Euh, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Wa comme salam, wa comme salam. OK. Mes frères et sœurs. Ok, d'accord. Non, pas de question, ça va. Pas de question, ça va. Ok. Ok, ok. Bon bah écoutez, il a pas de question. Khan Bah super, bah, ça veut dire que c'était clair alors inshallah. Moi c'est tout ce que j'espère. Alors, n'oublie pas une chose, hein. Eh, hey, à toi de jouer. D'accord À toi jouer, Habibi Habibati. prenez tous soin de vous. Qu'Allah vous préserve pendant ce Ramadan. Prenez bien soin de votre foi. Prenez bien soin de vos, de vos, de vos enfants. Prenez bien soin de vous. Ya Rabbal Alamin, écoutez-moi bien. Prendre soin de vous, c'est adorer Allah. Prendre soin de vous, c'est prier. Prendre soin de vous, c'est apprendre. Prendre soin de vous, c'est de vous purifier. C'est de nous purifier et nous élever, Inch'Allah. je vous aime tous pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis à très bientôt, Barakallahoufikoum. On va faire des doigts quand même pour nos enfants. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Ô toi le Seigneur des mondes, Ô oh, toi le tout miséricordieux, le très miséricordieux, on te demande, Ya Allah, de préserver nos enfants, de leur accorder la foi, de leur accorder la droiture, de faire en sorte que nos enfants soient des lumières de cette communauté, Ya Rabbal Alamin, préserve-les de l'égarement, préserve-les de tout élément négatif, mets dans leur cœur la force, la puissance, et la, la, la fierté d'être des musulmans, ya rabbal al alamin, fait de des enfants qui acceptent d'être des lumières, inshallah, de cette dunya par la foi et montre leur toujours, ya rabbal alamin, que la plus belle des choses qu'ils ont, c'est leur foi musulmane, ya rabbal alamin, et fait que nous ayons des parents qui soient à la hauteur d'élever des enfants qui sont le futur de la communauté de demain. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته